bienvenue dans ce nouveau numéro d'I Love BTB Weekly Update avec pour cette 18e édition les Katrina, actuellement 4e du championnat, qui reçoivent les Magic, actuels leaders. Côté Katrina, Frost, Lunatic, Booba, Boubour, Le Pilop, Gara, Hypnose, Scarface. Côté Magic, Fantôme, Aslagor, Full Gamer, Pourquoi Pas, Fluxion, Freedom, Soldier, Samsoul. On retrouve ces deux équipes sur Standoff en One Bomb. Et cette semaine encore, nous allons vous proposer une séquence dans son intégralité, à savoir la première attaque MGK, et donc puis grenade des deux côtés, avec ici un superbe drain côté KFR lancé par Lunatic, qui permet à Gara de prendre le laser malgré le retour du Warthog MGK. Le pilote a bien suivi, s'en saisit. Pendant ce temps-là, Fluxion côté MGK avec le camo et la bombe passe par le côté gauche, un petit peu comme il y a quelques semaines les FDL. Le pilote qui a bien suivi voit que le camo disparaît et intervient directement sur Fluxion. Le Warthog KFR vient au renfort, élimine le Rocket MGK et vient en couverture de la bombe. Pendant ce temps-là, le Rocket est repris par Samsoul, qui a failli réussir son coup. Les KFR sont en défense BATS. Les Magic, eux, du coup, prennent position derrière les rochers KFR. Ils sont en nombre. Ils écartent sur le camo. Et une jolie intervention ici d'Aslagor sur le Warthog KFR, composé de Frost et de Booba. Le Warthog KFR ne tourne plus pour la défense. Pendant ce temps-là, Fluxion, qui a repris le respawn de la bombe, revient en attaque. C'est bouché côté gauche. Il est sans camo. Il va la tenter en frontal. Il cherche une voie. Le laser fait encore des siennes. Une infiltration osée. Il attend ici la diversion côté camo de ses coéquipiers. Approche de la base KFR, se met derrière la caisse. Les KFR, perturbés par les autres joueurs, ne le remarquent pas. Il tente son infiltration, coup de bombe sur Lunatic, arrive en drag and drop. Une jolie intervention de Boubour. Et on se retrouve à peine quelques secondes plus tard avec Fluxion de nouveau à la bombe, qui cette fois va côté camo, où Full Gamer l'attend avec un mangouste. Fluxion prend donc le camo, charge le mangouste. Et alors que les fantassins sont côté gauche, le mangouste renverse le jeu et part côté camo KFR. On rentre alors en mort subite. On voit d'ailleurs le Warthog MGK tourner pendant que le Warthog KFR est devant la base. Les 8 MGK sont en attaque et là ça va très vite. Une greuille de Samsung sur les deux derniers défenseurs, plus un Rocket de Fantôme. L'amorce de la bombe, Fantôme suit bien, élimine au molleur le dernier défenseur KFR. Ça a été très vite. Et au final, les MGK tiennent l'amorce, vont remporter cette manche 1-0 et 4-0 sur l'ensemble de la partie. Sur les autres matchs de cette dernière journée, la surprise nous vient du match entre les Power et les Échelons avec la victoire 3-0 des Échelons. Les Manant à face s'imposent 3-1 face aux Origins, les FDL 3-0 face aux Cinenensis et comme on a pu le voir, les Magic s'imposent 4-0 face aux KFR. Au classement, les Magic continuent leur marche en avant avec 6 matchs gagnés pour 6 matchs joués. Les FDL, au profit de leur victoire face aux Cinenensis, reprennent la deuxième place aux Power. Les Échelons arrivent dans la première moitié de tableau avec 9 points et un round average favorable face au KFR qui se retrouve 5e. Les MDTF sont à 7 points, les Origins à 3 points et les CNS à 0.
Vendredi prochain, les Magic reçoivent dans le match à l'affiche les Power, les Sinensis recevront les Katrina, les Origins, les FDL et les Échelons recevront les Mains dans ta face. Sur I Love Go 2 5 vs 5 Beta, les Synergies se sont imposés 4-0 face aux Origins, les FDL 3-1 face au TSK et les Mains dans ta face 4-0 face aux Échelons qui ont dû déclarer forfait. Au classement, les Synergies et les MDTF continuent leur duo en solitaire avec 17 et 16 points. Ils sont suivis à 5 longueurs par les FDL. Les Échelons sont plus loin à 7 points. Les Origins à 4 points et les TSK ferment la marche avec 0 points. Mardi prochain, les Échelons reçoivent les Synergies, les TSK, les MDTF et les OSC accueilleront les FDL. À cette semaine pour du gros BTB sur ilovebtb.com.